Ouais, mais... Oh, c'est un 10. Hey! Mais chérie, quand même, je suis en train de dormir, là. Oh, c'est bon, c'est un 10. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas, tu connais à t'abonner, mettre un petit j'aime. Si c'est Jonathan Hachili de la chaîne, c'est pas te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça les gars, il va falloir faire de l'oseille. Tu connais déjà, il y a mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, arrête de crier à l'arnaque. Et ma formation Pirate Marketing avec tous les bonus qui vont avec, avec le coaching qui va avec. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans le lien qui est dans la description. Ok, tu pourras prendre un rendez-vous offert, gratuit, où tu vas pouvoir parler de tous tes objectifs et voir si jamais Pirate Marketing, ça peut te correspondre. Si tu veux être libre, il y a tout dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vois pas comment on peut faire mieux. C'est juste que c'est pas une pilule magique, il va falloir taffer. Ah, je sais que personne ne veut taffer, mais les gars, il n'y a pas le choix en fait. J'ai déjà essayé il y a des années, j'ai dit non, il n'y a pas d'autre façon. Pour pouvoir être libre, pour pouvoir faire de l'oseille et tout ce que tu veux, même tout dans la vie, il va falloir taffer. Il n'y a pas de raccourci. Désolé, les gars. Mais en tout cas, s'il y a une chose qu'il ne faut pas que tu aies, c'est des excuses. J'ai grandi avec vous dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Les gars, arrêtez de chialer. Tu fais rien, il ne va rien se passer. Okay, ça fait maintenant plus de 3 ans que je voyage. Là, on est à Bangkok, on vient d'arriver, on est éclaté. Voilà, mais c'est de lifestyle. Des fois, on me dit, il y a un moment, on dit, ouais, t'es en vacances alors, tout ça. Il faut que tu profites. Et non, c'est un lifestyle. À chaque fois, comme on l'attend, je la dis direct. J'aime trop. Ah, mais t'es en vacances, t'es où? Mais non, c'est un lifestyle. Voilà. Donc, c'est exactement ce que je te souhaite. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Voilà le problème avec les gars d'aujourd'hui. Je regardais une vidéo, ça résume concrètement exactement le problème que les hommes ont aujourd'hui. Alors, je te laisse regarder, je te dis, je t'en reparle. C'est un petit extrait, tu verras, mais c'est parlant. If she's a 10, like, I'm not even gonna lie. If she's a 10, there's certain things I'm willing to kind of like allow. Come on now, dog. Me too. Yeah. Like me too. Certain, like that's the privilege you have. It's like, you know? Yeah. Donc voilà où on en est. Si ça a 10, ah! Ouais, mais. Oh, ça a 10. Ah! Hey! Mais chérie, quand même, je suis en train de dormir là! Oh! C'est bon, c'est un 10. Tu sais, les gars, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, les femmes ne respectent plus les hommes, gars. Alors, juste parce que elle est bonne, ah ben c'est bon, elle a plus d'autorisation, il n'y a pas de problème. Et je suis sûr, quand tu as regardé la vidéo, tu as fait ouais, c'est vrai que si c'est un 10, bon, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on peut autoriser 2-3 petits trucs, bon, je vois pas trop, c'est pas méchant. Non, les gars. C'est pour ça que les femmes, elles ont plus de respect. Elles respectent plus les hommes. Votre faute, les gars. C'est parce que, genre, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien. Alors, comme elle est belle, elle est bonne, c'est ce qu'on appelle sipping. C'est-à-dire que tu te plies comme ça parce qu'elle est belle, elle est bonne. Elle peut tout faire. Elle peut aller, machin. T'arrives sur Will Smith, voilà. T'arrives sur du Will Smith. Là, on est bon. Will Smith, c'est ce qu'on appelle un simp. C'est pas forcément un bêta, plus un simp. Alors, lui, comme il kiffe sa meuf. Vas-y chérie, tu peux coucher avec toute ta planète. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien du tout, parce qu'évidemment c'est le progrès. Hein. Tout est énergie maintenant, c'est le progrès, donc la tolérance. Il n'y a pas de problème, couche avec toute ta planète, couche avec le pote de mon fils, on est bon, voilà, parce que comme tu es super belle, en tout cas c'est lui, il la trouve super belle. Après bon, faut pas non plus exagérer, les gars, c'est quand même une belle femme. Mais le problème, les gars, c'est qu'il n'y a plus de respect. Et on arrive à des trucs comme ça. Donc le gars, il a dit, normal, il est assis comme ça, il a dit, ouais, moi, c'est ça, 10. Franchement, ouais, il y a des choses, ouais, ça passe, quoi. L'autre, il a fait, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais non, les gars, vous n'avez pas raison, les gars. Réveillez-vous, les gars, c'est normal qu'il n'y a plus aucun respect. Mais là, les gars, je suis débordé. J'ai fait ça juste pour vous dire ça. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Mais moi, j'aime. Si t'as aimé la vidéo, un j'aime pas, petite vidéo rapide, mais j'ai dit, faut quand même qu'on en parle, les gars. À un moment donné, qu'elle soit belle ou qu'elle soit pas bonne, les gars, non, il n'y a pas de passe-droit. Enfin, je veux dire, quoi ce délire? Comme elle est belle et bonne, il n'y a pas de passe-droit. Si c'est un manque de respect, ben ça passe pas, c'est tout. Ah ben, il y a des meufs qui ont essayé, ah ben non, c'est pas passé. Naturellement, ça peut pas passer. Que tu sois belle, bonne, tout, tu peux être vénère comme tu veux. Avoir un corps vénère, ça peut rebondir dans tous les sens. Ça passera pas. Le respect, les gars, la base, c'est tout ce qu'on a, les gars. Vous pouvez pas, juste parce qu'elle est belle.
Putain, les gars, il fout la honte, les gars, là. Donc, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mets un petit j'aime, un j'aime pas. Et en plus, quand tu vas agir comme ça, c'est là qu'elle va te kiffer. Parce que les femmes, elles aiment que tu mettes des limites. Elles aiment sentir que t'es un homme, que tu sais ce que tu veux, que tu te laisses pas marcher sur les pieds, que tu te laisses pas... En plus, quand tu commences à dire, ouais, je la laisse faire un petit peu, ça commence par elle te manque de respect un petit peu en parole, elle commence à insulter, et puis après, elle vient, elle te met des gifles. Ouais, elle prend de l'eau et elle jette sur ton visage. C'est ça le problème, les gars. Et après, dis où sont les hommes, tu vois. Et les hommes, ils disent, mais je sais pas, je voulais être gentil, t'as un passe-droit parce que t'es plus bonne. Le monde part en sucette. Bref, t'attends en description si jamais tu vas aller plus loin avec moi. Je suis vraiment curieux de ce que tu vas dire, ce que tu penses en commentaire. Peut-être c'est moi qui ai un ouf, peut-être. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, toi. Les filles aussi, dites-moi hein, quand même. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. C'est ton camp.